il faut attendre. Parce que quelquefois, ma fille, Inès, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Et puis ça ne marche pas. Tu jeûnes 3 jours secs, 30 jours à eau, 100 jours à fruits, 1000 jours ceci. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Seigneur, à quand ma victoire? À quand mon mariage? Ce qui est bizarre, c'est que ce que tu veux là, Dieu va te faire célébrer pour les autres. Tu veux te marier, c'est ta petite soeur qui se marie. Tu dois attendre. Parce que c'est une prophétie dont le thème est comment? Fixé. Je pense que le plus dur même, c'est l'attente. Je vais m'asseoir ici et puis je vais croiser mes pieds pour vous dire cette partie-là. Tu sais, c'ah parce qu'Abraham n'a pas pu attendre qu'il est parti avec Agar. Parce que c'est facile de dire, hein? Mais c'est difficile de faire. Pendant que toi tu attends là, tu as l'impression que les autres évoluent pour te laisser. Oh, ah, papa, d'attendre quoi? Mes amis sont en train de construire. Mes amis sont en train de voyager. Tu es tenté de prendre les raccourcis pour faire envoyer la prophétie à réalisation. Si Sarah ne peut pas me donner un enfant, mais au moins ça s'est vendu. Voici comment nous-mêmes, on enfante des difficultés à notre destinée. Parce que la chose qui arrive quand le temps n'est pas arrivé va toujours te créer des problèmes. J'ai fini de prêcher. Aide-moi à dire à quelqu'un, attends. On attend pour 5 raisons. On attend parce que ce que Dieu fait, ce que Dieu est en train de faire est plus grand que ce qu'on espère. Dieu voulait donner Isaac, pas Ismaël. Isaac, ça prend du temps pour qu'il arrive. Ismaël, ça vient au premier coup. Isaac, ça prend du temps. Tout ce qui prend du temps avec le temps, mon papa dit, augmente de valeur. Il n'y a pas une nourriture qui est bonne, douce, qu'on fait cuire en 5 minutes. Tout ce qui est doux, ça prend du temps sur le feu. Pourquoi est-ce que tu dois attendre? Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un timing pour l'accomplissement de ta prophétie. Pourquoi est-ce que tu dois attendre? Parce que quelquefois, tu n'es pas encore prêt. Il y a des choses, quand Dieu te regarde, il sait que tu n'es pas encore prêt. S'il te donne, ça va te tuer. Pourquoi est-ce que tu dois attendre? Parce que tu as peut-être manqué une saison de ta vie. Tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire dans une saison de ta vie. Pourquoi est-ce que ça met du temps? Quelquefois, Satan est en train de te combattre. L'ange a dit à Daniel, depuis le premier jour, tu as eu à cœur de prier. Je suis descendu avec la réponse. Mais j'ai été... Il dit, le prince de Perse m'a résisté. Livingstone, je veux ouvrir mon cœur pour vous le donner. Parce que je ne suis pas sûr que j'ai pu prêcher le message comme je voulais. Au moins, vous pourrez lire mon cœur pour dire, voici ce que le pasteur voulait dire. Que votre vie change. Je vais vous laisser avec ces paroles d'encouragement. Pour vous dire, on ne suit pas Dieu pour être un perdant. Non. On ne suit pas Dieu pour qu'on se moque. On a fait le bon choix de marcher avec Jésus. Quel que soit le temps que ça prendra, on se retrouvera au sommet. Quel que soit le temps que ça prendra, ce que Dieu nous a dit, il le fera. Ce que Dieu nous a dit, il l'accomplira. Il a dit, il l'accomplira. Je partage avec vous ces dernières promesses que Dieu m'a données. Donne-moi, s'il te plaît, 1 Thessaloniciens 5, le verset 24. Thessaloniciens 5, le verset 24. Please, give me the verse. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Celui qui m'a appelé, aide-moi. Il est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Tenons-nous debout, on va rendre grâce à Dieu.